Et coucou mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire le tirage hebdomadaire pour la semaine du 26 au 1er novembre 2020. Donc je ferai également un petit tour signe par signe, voir un petit peu ce qui va se passer. Et je voulais aussi également tous vous remercier pour vos commentaires, pour vos likes, vos abonnements également, et pour les vidéos que j'ai fait dernièrement sur des choses assez personnelles qui m'ont énormément touché. Vos commentaires m'ont énormément touché. Et voilà, je tenais en tout cas à vous le dire, car j'étais pas très sûr en tout cas du retour qu'il allait y avoir, puisque c'est quand même assez délicat. Voilà, en tout cas, je m'attendais pas à ce genre de réaction, et je vous en remercie. Alors, on va aller voir l'énergie principale de cette semaine, puis on fera un tirage en croix, et puis ensuite on abordera les signes par signe. D'accord? Allez, c'est parti, on y va. Et aussi aujourd'hui, je ne me montre pas. Tout simplement parce que voilà, j'ai eu une semaine assez chargée sur le plan de mes études et je suis très fatigué, on va dire physiquement, pas mentalement, mais voilà, j'ai d'énormes valises sous les yeux et voilà, je ne me sentais pas en tout cas de me filmer aujourd'hui, quoi. Et donc on y va pour la semaine du 26 au 1er novembre 2020. 5 de bâton. Est-ce que ça va être une semaine de conflit? Un petit peu de colère. Possiblement, peut-être à cause de ce qui se passe actuellement. Ça met peut-être un petit peu les gens en colère par rapport à votre travail ou peut-être au couvre-feu, je ne sais pas. Ok, bon, bah, il y aura trois cartes hein, du coup pour l'énergie de la semaine. Alors, 7 de coupe, 9 de bâton. L'ermite, ok, pas étonnant du tout en tout cas. Alors, je rappelle que le 7 de coupe, hein, c'est tout ce qui peut être d'ordre un petit peu illusoire. Hein. C'est aussi les choses optionnelles. Donc, ça veut dire que il peut être question de plusieurs propositions, de plusieurs options. Mais c'est lié en tout cas à des difficultés avec le 9 de bâton, hein. Ça peut être plusieurs problèmes en tout cas que vous pouvez rencontrer. Et avec l'ermite, il y a quand même une forme de restriction quelque part, hein. On peut ressentir ici une forme de restriction sur des possibilités en tout cas d'avancement au courant de cette semaine. On peut nous proposer en tout cas peut-être des... Comment dire oui, nous proposer des options en tout cas au courant de cette semaine, qui ne régleront pas forcément un problème. Et puis avec la révélation, en tout cas, enfin l'ermite, hein, on peut voir en tout cas qu'il y a une forme quand même de renfermement. Hein. Donc je ne sais pas si c'est en lien avec le confinement, je ne veux pas trop en tout cas vous orienter dessus, puisque c'est vrai que d'un aspect un petit peu général, mondial, enfin pas mondial, mais plutôt au niveau de la France, on pourra parler ici effectivement de restrictions, de complications en termes pas de déplacement, parce que c'est pas une question de déplacement, mais de liberté. Voilà, on peut avoir en tout cas un problème au niveau de la liberté. Et l'ermite, voilà, on se sent un petit peu renfermé. C'est un petit peu une notion de confinage quand même, hein, l'ermite. Hein. Alors, le 7 de Raphaël vous dit, il est temps de prendre une décision, identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Alors effectivement, il y a une notion de prendre une décision puisque on peut pas tout avoir d'un coup. Il faut en tout cas choisir entre ces sept coupes. Hein, généralement, c'est ce qu'on dit pour régler ici un problème. Hein. Donc ça peut, voilà, vraiment être d'essayer de trouver des solutions pour dépasser ici une difficulté, de dépasser une épreuve. Hein. Donc le 9 de Gabriel vous dit faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêt à tout. Activisme pas oh là là, Tristan, mais activisme environnemental. Et on a donc la carte de la révélation qui est l'ermite. La joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc pour moi, voilà, il n'y a pas une question en tout cas d'épanouissement spirituel, je ne pense pas. Je pense plutôt que c'est vraiment en tout cas de se retrouver peut-être en introspection et de déterminer vraiment quel est le problème, d'analyser le sujet,
pour en tout cas essayer de le traiter le plus rapidement possible. Effectivement, ça parle en tout cas de l'environnemental, donc de l'environnement, de l'aspect un petit peu aussi écologique, hein, je pense. Et voilà, en tout cas, il y a beaucoup de décisions à prendre, hein, vis-à-vis de ça. Allez, on va regarder avec le tirage en croix. Pour la semaine du 26 au 1er novembre 2020. Le page de denier. Ok. Notion de nouveau départ quand même. Hein. Peut-être écologique. Enfin, économique. Écologique. Je sais pas pourquoi, mais économique. Oula. Jugement, le diable. De coupe. Ouais, il y a des choses qui vont ressortir de terre. Il y avoir peut-être des problématiques par rapport à des contrats de travail, peut-être. Peut-être aussi affectif hein, pour certains. Il peut y avoir un ex-partenaire, mais plutôt toxique, hein, qui pourrait ressurgir. Hein. Ça fait trop de cartes là. Allez, les aspects positifs, les aspects négatifs, l'objectif, waouh. Mais ça, c'est incroyable parce que c'est très régulièrement qu'on a le 10 de coupe dans les objectifs quand même, hein. Le résultat et la synthèse. Ok. Ok, bon, dans les aspects positifs, ici, on parlera plutôt de récolte, hein, de quelque chose que, par patience, en tout cas, qu'on a su attendre. On va peut-être pouvoir en récolter un petit peu les fruits au courant de cette semaine. On pourra en avoir des résultats, mais il peut y avoir aussi une notion de pause, hein, également. Enfin, une pause, pas forcément liée, au confinement, pas du tout, hein. Mais ça peut être pour certaines personnes, en tout cas, de prendre le temps maintenant de pouvoir regarder les choses, peut-être un projet ou des choses que vous mettez en place, de pouvoir en tout cas les observer évoluer, d'accord? Vous savez qu'il y a du temps, vous êtes très patient aussi au courant de cette semaine, vous n'êtes pas non plus dans l'impatience, mais en face on a, dans les aspects négatifs, le fait de ne pas y voir clair en fait. Alors peut-être par rapport à des projets ou par rapport peut-être à une vie professionnelle qui dure depuis un certain temps, peut-être qu'on peut ressentir ici un manque de clarté où on peut être angoissé par rapport à son travail ou par rapport à des choses qui traînent depuis un certain temps. Votre objectif ne change pas depuis quelques semaines, hein, c'est toujours cette notion de d'atteindre un bonheur, d'atteindre l'objectif en tout cas de d'être heureux, de se sentir libéré, d'être libre et libre en tout cas de vivre pleinement votre joie et votre bonheur. Hein. Dans le résultat, on a le cavalier de bâton ici qui nous parle en tout cas de choses assez rapides, de décisions assez rapides. Avec la synthèse et le cavalier d'épée, il pourrait y avoir vraiment des décisions qui vont être prises très rapidement, voire par impulsion ou impulsivité, tout simplement, liées peut-être à ce qui se passe actuellement. On va peut-être avoir en tout cas des nouvelles. Sur le plan juridique, sur le plan gouvernemental aussi également. Peut être lié au déplacement. Mais bon, il y a quand même cette notion de rapidité. On nous parle vraiment beaucoup d'administratif, on nous parle beaucoup d'actions aussi peut-être prises comme ça au dernier moment. Voilà, donc il peut y avoir en tout cas cette notion de bousculement. C'est d'où le fait en tout cas que les choses, vous n'allez pas avoir le temps de les voir arriver. En fait, hein, avec la lune. Hein. Il y a une notion de ne pas voir ce qui se passe derrière le rideau et qu'on va tirer le rideau et en fait, eh ben, il y aura tout ça qui va en ressortir. Donc, je pense que le 7 de deniers ici, il est là aussi pour vous dire que c'est pas quelque chose de surprenant quelque part. C'est comme si vous vous y attendiez. Voilà, il y a une notion de je m'attends en tout cas à ce qui est en train de se produire, de ce qui est en train d'arriver. Donc n'oubliez pas que là on est sur un plan général, je ne développe pas plus parce que j'ai pas envie que la vidéo dure non plus des heures puisque je veux faire tous les signes. Mais voilà, sur le plan global, voilà, ça nous parle en tout cas de choses dans lesquelles vous n'êtes pas forcément surpris, juste que vous n'avez aucune connaissance et aucun savoir, aucun
aucune donnée. En tout cas, c'est assez trouble, hein. On peut nous parler de mensonges, on peut nous parler de fabulation, d'angoisse, de peur. Voilà. Mais c'est pas comme si c'était nouveau, tout simplement. Et là, on a quand même quelque chose d'assez rapide, d'assez décisif également. Il y a des décisions assez rapides qui arrivent. Ok, allez, on va aller voir maintenant pour les signes par signe. Et on va commencer par le bélier. Allez, pour les béliers, comment va se passer cette semaine pour les béliers? 26 au 1er novembre. Ok, les béliers, ça nous parle de collaboration, de création, de musique, de l'art également. Ouais, il y a un rayonnement, il y a quelque chose qui va s'animer en vous en tout cas. Peut-être une reconstruction aussi également. C'est quelque chose de très chaleureux. Allez, bélier, on y va. Les aspects positifs, 3 d'épée. Aspects négatifs, 3 de coupe. L'objectif, 6 de denier. Le résultat, 2 d'épée. Et la synthèse, le 3 de denier. Bon, ok. Dans les aspects positifs, ici, le 3 d'épée nous indique que vous n'êtes pas forcément une personne très atteignable, en fait, sur le plan affectif et sur le plan du cœur. C'est pareil ce que je viens de dire. Voilà, il y a quand même un grand renfort. En tout cas, vous avez énormément renforcé votre cœur. Et on parlera ici de libération, d'accord, au niveau de souffrance. Vous n'êtes plus du tout dans ce mode un petit peu de souffrance. Par contre, vous avez dans les aspects négatifs le 3 de coupe ici qui nous parle d'avoir peut-être du mal à se lâcher, avoir du mal peut-être à s'amuser ou tout simplement un excès dans tout ce qui va être alimentation, boisson. Et autre chose en tout cas qui peut en tout cas être dans l'excès. Hein. On ne va pas tout énumérer, hein, mais bon, vous savez maintenant tout ce qui peut être en tout cas mauvais pour la santé quand c'est dans l'excès. Donc là, on voit en tout cas que vous tendez vers un équilibre, vers en tout cas quelque chose, alors peut-être probablement de matériel, de tenter en tout cas d'équilibrer votre vie matérielle et financière. D'être aussi dans l'échange et le partage, mais tout simplement dans un aspect plus global, c'est vraiment de retrouver un équilibre avec des personnes, que ce soit dans le plan amical, affectif, domestique ou professionnel, de retrouver en tout cas un échange qui va être dans les deux sens et non unilatéral. Par contre, dans le résultat, vous avez la 2 d'épée, vous allez vous retrouver dans une semaine d'indécision, peut-être probablement liée ici au professionnel. Ou en tout cas un travail que vous faites sur vous-même, ça peut être le cas aussi, puisqu'on a dans la synthèse quand même la 8 de denier qui nous parle du travail. Et au niveau, sur le plan professionnel, effectivement, vous pouvez ressentir une forme d'indécision ou le fait en tout cas que vous êtes peut-être buté aussi dans le fait de ne pas vouloir entendre et écouter les autres. Donc vous pouvez être dans votre tête et, comment dire, voilà, vous foncez en tout cas dans quelque chose, enfin, sans forcément vous préoccuper de ce qu'il y a autour, d'accord? Puisque la 2 d'épée, vraiment, on n'entend pas, enfin, on ne voit pas, on n'entend pas, on est fermé un petit peu aussi à tout ce qui se passe autour, et puis on agit vraiment avec sa tête, hein. Donc, c'est ce qui pourrait vraiment en ressortir, hein. Alors, hop. Non, j'ai pas envie de prendre les anges de l'amour aujourd'hui. Je vais prendre celui-là, tiens. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers pour la semaine du 26 au 1er novembre? Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? 26 au 1er novembre. On a n'écoute pas les autres. Ok. Donc effectivement, j'ai plutôt le sentiment de ce que c'est ce que exactement vous allez faire, puisque la 2 d'épée, voilà, on n'est pas, on n'écoute pas forcément les autres, hein, on fait comme on a envie de faire. Donc voilà, en tout cas, on vous le confirme, hein, ici avec le chakra du cœur que
Vous n'êtes pas en tout cas dans l'optique d'écouter les autres, mais bon, ça m'étonnerait en tout cas en tant que bélier que vous écoutiez les autres. Hein. On adapte-toi à son rythme émotionnel. Ok, voilà les béliers. En tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et on va passer au taureau. C'est parti. Allez, pour les taureaux. Semaine du 26 au 1er. Ok, les aspects positifs, la papesse, les aspects négatifs, la 2 d'épée. Vers quoi vous tendez la 3 de coupe? Le résultat, le page de denier et la synthèse, les amoureux. Ok, alors dans les aspects positifs, ici la papesse, ça nous parle ici de vos connaissances, de votre connaissance et de votre savoir, de votre intelligence également. Elle nous parle aussi de papier administratif, de papier de, et, enfin, et de documents aussi, peut-être liés au travail ou à une formation. C'est aussi d'avoir un aspect intuitif aussi plus développé, d'avoir une confiance totale en tout cas en son intuition. Mais en face, on a la 2 d'épée qui nous parle vraiment de cette indécision, le fait de ne pas en tout cas trop écouter, mais c'est aussi une carte d'intuition, la 2 d'épée. Donc attention à ne pas être trop dans le côté intuitif et de ne pas voir ce qui se passe dans la réalité. D'accord? Vous avez cette capacité ici, dans les aspects positifs, à avoir une très bonne intuition. Mais ne vivez pas non plus dans la cinquième dimension, puisqu'on est dans la troisième dimension, et qu'il faut avoir les pieds sur terre et regarder aussi ce qui se passe autour de vous. D'accord? Votre objectif, c'est le 3 de coupe, c'est vraiment de retrouver les plaisirs de la vie, d'être dans la joie, d'être dans le partage, de voir vos amis aussi, peut-être la famille aussi. Donc c'est des festivités, c'est des joies, c'est des petits bonheurs, en tout cas par-ci par-là, mais qui font toujours plaisir. Donc c'est vraiment en tout cas vous tendez vers ça. Au courant de cette semaine. Et puis, dans le résultat, vous avez le page de denier qui nous parle de nouveaux départs sur le plan peut-être matériel ou financier, voire professionnel, de prendre en tout cas une nouvelle voie pour faire développer peut-être un projet ou tout simplement votre vie domestique. Dans la synthèse, nous avons les amoureux qui nous parlent ici de choix et de décision et d'indécision également, puisque les cartes des amoureux ne représentent pas dans le tarot de Marseille l'amour, mais représentent ici le choix du cœur. D'accord? Le fait de devoir être face à deux choses qui demandent ici à prendre la bonne décision, mais surtout la décision qui sera faite avec le cœur et non en tout cas avec la tête. D'accord? Donc voilà, vous allez être en tout cas dans une semaine où vous allez devoir peut-être vous concentrer sur vous-même, faire confiance en votre intuition, mais ne pas non plus trop plonger dans un côté trop cinquième dimension. Placez vos projets, tentez en tout cas un nouveau départ. Essayez d'aller en direction de ce 3 de coupe et puis prenez vraiment le temps de choisir ce qui vous fait du bien. D'accord? Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour la semaine du 26 au 1er novembre? On a le mensonge. Ok. Il peut être question de. Et on a de nouveau, comme pour les béliers, adapte-toi à son rythme émotionnel. Une semaine, je pense, qui va être assez globale pour tout le monde par rapport au fait que on ne veut pas trop voir ce qui se passe, en fait. On porte un masque et on est trop en nous, c'est-à-dire qu'on est trop dans notre vérité. Donc là, il va falloir peut-être faire tomber des masques ou tomber son propre masque et peut-être arrêter aussi de se mentir à soi-même, de mentir aux autres ou voilà. Ça peut être aussi sur le plan affectif d'être face à une personne qui vous ment également. Voilà pour vous les taureaux. Et donc on va passer aux gémeaux. Allez, pour les gémeaux, pour la semaine du 26 au 1er. Aspect positif, maison Dieu. L'aspect négatif, la 2 de denier. L'objectif, la 2 de bâton. Le résultat, la 3 de denier. Et la synthèse, la 5 d'épée. Ok.
Alors, dans les aspects positifs ici, il va être question donc de soit se révéler, soit montrer ici une réelle personnalité, ou tout simplement d'avoir cette capacité à faire effondrer peut-être la personnalité d'une autre personne et de voir le vrai visage de quelqu'un, ou de percevoir la vraie personnalité d'une personne. Mais également, ça va être aussi cette faculté à pouvoir peut-être prendre conscience de quelque chose qui ne va pas dans votre vie et de pouvoir y mettre un terme, d'accord? Par contre, dans les aspects négatifs, on a la 2 de denier. Ça nous parle d'indécision, de devoir jongler et d'être dans un entre-deux. Alors c'est assez marrant parce que là pour le moment, Bélier, Taureau, Gémeaux, vous êtes tous les trois en tout cas dans une forme d'indécision et de prise de décision également. Donc je pense que ça va être global pour tout le monde par rapport à ça. Mais vous, voilà, ça va être compliqué pour vous de devoir jongler, de devoir peut-être poser le pour et le contre. Ça risque d'être un petit peu difficile puisque on voit dans votre objectif ici, c'est de vraiment vous projeter dans un avenir et de prendre la bonne décision et de prendre le bon chemin. Et c'est pour ça que c'est dans les aspects négatifs là de denier parce que vous ne savez pas encore ce que vous allez devoir faire pour pouvoir atteindre cet objectif, de vraiment prendre le bon chemin. D'accord? Le résultat, c'est la 3 de denier, ça nous parle d'une collaboration. D'accord? Donc il peut y avoir au courant de cette semaine un événement ou quelque chose qui vous permet ici de collaborer. La 3 de denier représente aussi la reconstruction, le fait de détruire quelque chose qui ne fonctionne pas. D'accord? Vous prenez conscience que ça ne fonctionne pas et dans le résultat, vous tentez ici de le reconstruire. D'accord? Mais voilà, on voit que ça peut prendre du temps parce qu'il faut d'abord se projeter, faire un projet et prendre en tout cas la voie la plus abordable. Mais voilà, on ne sait pas encore quel va être le meilleur choix. La synthèse, c'est la 5 d'épée. Il va falloir arrêter de vous battre dans le vent. C'est ce qu'on vous dit. Il y a des combats qui sont inutiles et stériles. Vous mettez de l'énergie dans quelque chose qui ne porte rien et qui n'apportera rien au fil du temps, même sur l'instant présent. D'accord? Donc il va falloir peut-être baisser les armes. Si vous êtes par exemple en confrontation ou si c'est quelque chose dans lequel vous vous acharnez et que ça ne fonctionne pas, là, il faut savoir se dire des fois que ça ne fonctionne pas et qu'il faut lâcher et laisser les choses s'effondrer. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour la semaine du 26 au 1er novembre? On a rencontre lors d'une sortie. Bon, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Alors, il se peut... Ouais, ton âme sœur n'est pas prêt en d'autres decks. Hein. Bon, il se peut que il y ait une rencontre. Alors pas forcément lors d'une sortie, parce que à l'heure actuelle, hein, on sait que tout est quasiment fermé. Donc voilà, mais ça peut être, je sais pas, lors de pas forcément en soirée, mais ça peut être en journée. D'accord? Il peut y avoir un événement, quelque chose qui peut faire que vous allez rencontrer une personne, soit sur le plan affectif ou vraiment sur le plan professionnel, ce n'est pas toujours lié à l'amour, d'accord? On peut avoir de l'affection pour une personne sans qu'il y ait de sentiment. Donc voilà, en tout cas, attendez-vous peut-être voilà, à rencontrer des personnes qui vont peut-être vous permettre de vous aider et qui vont vous permettre de lâcher prise peut-être sur une situation. Voilà les Gémeaux. Et on va passer au Cancer. C'est parti. Semaine du 26 au 1er novembre pour les cancers. Ok, le chariot en aspect positif, la 3 de denier en aspect négatif, l'objectif, la reine de denier, le résultat, la 2 de denier et la synthèse, le pape. Ok. Alors, dans les aspects positifs, ici, le chariot nous parle de détermination et de savoir exactement ce que vous voulez. Donc, vous allez avoir un objectif au courant de cette semaine, voire une grande détermination à mettre en place votre objectif, qui est ici la reine de deniers, hein, donc de pouvoir peut-être vous sentir accompli et totalement libre sur le plan matériel et financier, d'avoir une indépendance et le fait aussi de pouvoir prendre soin de soi et de s'occuper de soi. D'accord?
Dans les aspects négatifs, on a la 3 de denier, ça peut être vraiment le mode un petit peu collaboration qui peut être gênant pour vous, le fait de ne pas réussir peut-être à collaborer ou à trouver peut-être des partenaires sur le plan peut-être professionnel. Ça peut être aussi également lié à une triangulaire, hein, effectivement, mais bon, je ne suis pas trop dans un cadre sentimental, j'ai pas le sentiment de ça, en tout cas. Mais voilà, vous pouvez avoir un blocage sur le plan créatif. Créativité en tout cas. Vous pouvez être en panne sèche au courant de cette semaine. D'accord? Le résultat, ici, c'est la 2 de denier. Donc, vous allez vous retrouver dans une situation à devoir poser le pour et le contre et de prendre en tout cas la bonne décision pour vous. Il y a peut-être aussi pour certains de travail ou deux situations dans lesquelles vous vous sentez peut-être à l'aise, je ne sais pas. Mais dans la synthèse, on a le pape ici qui nous parle d'une personne qui va vous aider et qui va vous permettre ici de peut-être prendre une décision par rapport à ce 2 de denier. D'accord? En tout cas, semaine de détermination, semaine où vous êtes vraiment dans le contrôle et la maîtrise de votre vie. Vous avez en tout cas fixé votre objectif et vous allez certainement y arriver. Mais voilà, en tout cas, vous risquez d'être en panne sèche sur le plan créativité ou vous risquez d'avoir peut-être des problèmes, peut-être financiers, par rapport à une entreprise dans laquelle vous manquez peut-être un petit peu d'argent. Donc, il y aura peut-être une aide ici hein, qui sera apportée. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? On a enfant, ok? Et ton âme sœur n'est pas prêt et personne divorcée. Ok, donc effectivement, ça peut être lié à des choses liées par exemple à un divorce, ça peut être lié aux enfants. Donc, il peut y avoir peut-être une difficulté au courant de cette semaine par rapport à des gardes, au niveau peut-être des vacances scolaires. Ou simplement, voilà, vous êtes au début en tout cas d'une procédure et que vous êtes en train de gérer l'aspect en tout cas des enfants. D'accord? Allez, on y va pour... Alors, cancer, lion. C'est parti pour les lions, pour la semaine du 26 au 1er. Oula, il y a quelque chose de rapide pour vous les lions, il y a peut-être même une précipitation, il y a une communication rapide. Hein. Il y a peut-être même un déplacement un petit peu lointain, donc peut-être pas dans votre région. Oula, oula, merci. On va recommencer parce que j'aime pas quand ça fait ça. Aspect positif, le roi de denier. Aspect négatif, la 3 de denier. C'est marrant parce que c'est comme pour les lions. Comme pour les cancers, pardon. Parce que là, je suis chez les lions. Objectif, tempérance. Résultat, 8 de denier. Et synthèse, 10 de bâton. Ok. Alors, dans les aspects positifs ici, vous pouvez compter en tout cas sur votre statut ici qui est d'ordre un petit peu de l'indépendance. Hein. Le statut ici du roi de denier, c'est une personne en tout cas qui atteint un certain niveau matériel et financier. Mais ça ne veut pas dire d'avoir tant de patrimoine ou tant de choses. Non, c'est vraiment dans un état d'esprit où vous vous sentez en tout cas déterminé ici à mettre en place des projets professionnels, des projets peut-être immobiliers, enfin voilà, un petit peu ce genre de choses liées aussi à une entreprise, etc., etc. En face, on a dans les aspects négatifs la 3 de denier, ce problème un petit peu, eh bien, une panne sèche hein, sur le plan créativité, un problème aussi pour peut-être collaborer ou pour créer ici une entreprise, hein, ou alors c'est lié à votre entreprise puisque on peut parler ici d'une entreprise et il peut y avoir en tout cas effectivement des difficultés sur le plan professionnel, hein, parce qu'ici on le voit. Votre objectif, c'est tempérance, c'est trouver un compromis, c'est trouver des accords, c'est trouver aussi une fluidité, être dans un mood, on va dire, beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, et d'avoir en tout cas les solutions. Voilà, vous aimeriez en tout cas trouver des solutions peut-être liées à cette difficulté que vous rencontrez. On parle beaucoup de professionnel pour vous et de matériel. Le résultat ici nous parle de votre travail, d'accord?
Donc il peut y avoir en tout cas un acharnement ici sur le plan professionnel, mais des difficultés sur le plan professionnel. D'accord? Puisque dans la synthèse, on a ce 10 de bâton qui nous parle vraiment d'un fardeau que vous risquez de ressentir au courant de cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Relation discrète et secrète. Et on a une autre personne qui perturbe la relation. Ok. Donc effectivement, il peut y avoir une relation discrète sur le plan d'être pas obligé d'en parler à tout le monde. Ça ne veut pas dire que vous êtes déjà engagé ou que la personne est déjà engagée, d'accord? Ça peut être la peur aussi, le fait d'en parler, que d'autres personnes viennent perturber la relation. Et voilà, en tout cas, ça nous parle d'une relation discrète et secrète. Et effectivement, ça peut nous parler d'une triangulaire pour certains d'entre vous. Voilà les lions. Ok, on va passer aux vierges. Vierge du 26 au 1er, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Punaise, mais reste à ta place, toi. Hop. 3 d'épée, l'empereur en face. Ok, donc les vierges, vous dans les aspects positifs, vous avez donc la 3 d'épée qui nous parle ici d'une libération sur le plan du cœur. Le fait aussi de ne pas être dans la facilité d'être blessé. D'accord? Donc il y a quand même quelque chose qui se renforce en vous. Vous vous libérez d'une souffrance passée probablement. Et en face de vous, dans les aspects négatifs, c'est l'empereur. C'est le fait en tout cas d'être face à l'autorité qui peut vous déranger. Les règles, les obligations, tout ça, voilà, peut être quelque chose qui peut vous être contrariant pour vous au courant de cette semaine. Votre objectif ici, c'est vraiment de se sentir libre, un petit peu comme un enfant avec le 6 de coupe, hein, de retrouver aussi également son enfant intérieur, d'être aussi pour les mamans en tout cas ici, l'objectif, ça va être vraiment vos enfants, ça va être de penser à eux, voilà. Vous pouvez être face. Probablement ici, on pourra peut-être nous parler d'une séparation et d'une trahison que vous avez connue dans le passé avec votre partenaire et que depuis, en tout cas, cette personne, elle peut-être vous angoisse ou peut-être, voilà, vous avez des problèmes avec l'ex-partenaire, mais votre objectif premier, c'est les enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, en tout cas, ça va être de retrouver des rêves d'enfants ici et d'aller dans vos objectifs de rêve d'enfants. Dans le résultat, vous avez le pape, on parlera ici d'une personne qui va vous aider, mais on va vous parler aussi de votre foi, de votre détermination, d'accord? Puisque vous avez le chariot dans la synthèse. Donc, je pense que votre foi vous pousse ici à une détermination, à continuer en tout cas à avancer. Vous ne lâchez rien avec le chariot, hein, d'accord? Votre objectif, il est bien précis et vous y allez. Et en tout cas, c'est très directif quand même, hein. Vous allez face à vos objectifs, mais effectivement, l'aspect négatif ici peut être l'autorité, d'accord? L'autorité sous tous ses plans. D'accord, l'autorité d'une personne, l'autorité sur le plan juridique, comme sur le plan gouvernemental. Ok, adieu la routine. Déménagement et changement de ville en d'autres decks. Donc effectivement, le chariot peut effectivement parler, voilà, de déplacement, peut nous parler de déménagement également, de changement de lieu. En tout cas, il y a des déplacements. Et vous pouvez effectivement être face à ces autorités qui peut être un petit peu un obstacle pour vous par rapport au déplacement. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez vous dire, sous le courant de la semaine, il y a des choses qui vont changer et votre routine va un petit peu changer également. Voilà les vierges. Allez, on va passer aux balances. Allez, pour les balances.
Ok, roi de denier dans les aspects positifs, 10 de bâton dans les aspects négatifs. L'objectif, les amoureux. Le résultat, la 3 d'épée. Et la synthèse, la 6 de coupe. Ok, donc les balances, ici, vos aspects positifs, donc le roi de denier nous parle de votre indépendance, du fait que vous vous sentez bien dans votre aspect matériel et financier, probablement, hein, pour la plupart d'entre vous. Mais ce n'est pas, en tout cas, ce n'est pas une question de richesse ou d'un patrimoine ou d'une entreprise. C'est plutôt sur comment dire, votre attitude. C'est ce que vous émanez, c'est qui vous êtes, en tout cas. Il y a cette notion de force avec le roi. En tout cas, vous maîtrisez votre vie matérielle et financière, même si pour certains, il peut y avoir effectivement des difficultés sur ce plan-là, mais vous savez le gérer en tout cas. Vous avez un objectif, d'accord? Le roi de denier, il est quand même assez tenace sur le plan des objectifs. Par contre, voilà, dans les obstacles et les aspects négatifs, c'est la 10 de bâton. Il y a quelque chose de lourd depuis un certain temps, il y a peut-être un cumul de problèmes, donc vous avez du mal à vous délester, d'accord? Quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher, dont il va falloir peut-être lâcher. C'est probablement lié au passé, d'accord? Alors, votre objectif, c'est la carte des amoureux, ce n'est pas forcément l'amour dont on vous parle, mais c'est plutôt votre objectif, c'est de faire un choix, c'est de prendre la bonne décision pour votre vie sentimentale ou en tout cas pour quelque chose qui vous tient à cœur. Puisqu'on voit bien que de toute manière, le résultat ici, c'est la 3 d'épée. Donc, il y a une forme de trahison, il y a quelque chose qui va être blessant, soit pour vous, soit pour une personne. Et dans la synthèse, c'est la 6 de coupe ici qui nous parle du passé, qui nous parle des enfants. De l'enfant intérieur également. Donc voilà, en tout cas pour moi, si je prends la configuration un petit peu de tout ça, ça nous parle soit que on est dans l'adultère et que du coup on doit prendre une décision et que du coup ça va forcément peut-être se savoir et que du coup il va y avoir quelqu'un qui va être blessé dans le lot. Vous êtes peut-être victime de ça également, hein, peut-être que vous êtes la tierce personne ou vous vivez en tout cas, on vous fait subir l'adultère. Et que du coup, c'est quelque chose que vous portez sur le dos depuis un certain temps et qu'il va falloir peut-être lâcher et prendre des décisions et d'accepter peut-être ce 3 d'épée et de souffrir. En tout cas, parfois, voilà, il faut aussi accepter la souffrance si on veut qu'elle se libère au plus vite. Après, ça peut être lié au professionnel également, hein. Ça peut être. Voilà, ça peut être lié au professionnel, hein. Vous avez changement positif dans une relation existante. Donc un changement positif, attention, ça ne veut pas dire forcément, si vous êtes par exemple trompé, que la personne va vous dire c'est bon, c'est terminé, je ne te tromperai plus, et que ça va être positif. Ça peut être aussi de quitter quelqu'un, le changement positif, d'accord? Mais ça, c'est à vous de voir, c'est chacun vit sa vie et chacun voit les aspects positifs de sa vie. Parfois, comme on dit, hein, il faut savoir des fois se faire mal pour pouvoir atteindre quelque chose de plus positif, hein. Voilà les balances. Allez, on va passer au scorpion. Allez pour les scorpions. Semaine du 26 au 1er novembre. Allez, aspect positif, cavalier de bâton, aspect négatif, la 7 d'épée, l'objectif, la 9 de coupe, le résultat, les amoureux, et la synthèse, 5 de coupe. Ok. Alors, dans les aspects positifs, ici, c'est votre capacité, en tout cas, à réagir assez rapidement. D'accord? On nous parle de nouvelles également. Donc, on peut nous parler d'une bonne nouvelle qui arrive assez rapidement vers vous. Attention à tout ce qui va être aussi de l'ordre de l'impulsivité, puisque dans les aspects négatifs, il y a la 7 d'épée, ici, qui nous parle, en tout cas, d'un comportement un peu malhonnête. Soit vous êtes victime d'un comportement malhonnête, soit vous allez avoir un comportement malhonnête. Effectivement lié ici à une décision et un choix que vous devez prendre, en tout cas sur le plan affectif, hein, puisque on peut ne pas être dans le plan affectif, mais quelque chose qui vous tient à cœur, ça peut être un travail également. Mais voilà, la carte des amoureux représente le choix du cœur, d'accord?
Donc, dans le résultat, de toute façon, vous allez devoir prendre une décision. Donc, déjà, au niveau de vos objectifs, ici, c'est de réaliser vos rêves. D'accord? Alors, attention, parce que la configuration que je vois ici, c'est que, effectivement, vous risquez d'être déterminé ici à réaliser vos rêves, aller à vos objectifs, sans forcément faire attention à ce qui se passe autour de vous. Et vous risquez, en tout cas, de blesser pas mal de personnes. D'accord? Et d'essuyer beaucoup d'échecs. Donc, faites quand même attention par rapport à ça. Puisqu'on voit que vous faites les choses assez rapidement, poussé par une passion, mais voilà, en tout cas, vous risquez de pas forcément voir ce qui va se passer. Alors attention quand même, voilà, cette notion de 7 d'épée qui va être de ne pas être très clair, en tout cas autour de vous, ou d'être face à quelqu'un qui n'est pas très clair, qui peut être un voleur, qui peut être quelqu'un de manipulateur. Donc faites quand même très attention parce que la synthèse ici, c'est la 5 de coupe, hein. C'est le deuil, c'est le chagrin, c'est l'échec. Donc il peut y avoir une notion vraiment d'échec. Et vous devez en tout cas faire un choix par rapport à cette décision, hein. Puisque de toute façon, dans le résultat, vous allez devoir vous décider. Il y a vraiment cette notion de devoir se décider, soit par rapport à un travail, soit par rapport à une personne, soit par rapport à un conflit. Peu importe, en tout cas, vous l'adaptez à votre situation. Parce que bon, si j'énumère tout, on s'en sort plus. Donc. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour la semaine du 26 au 1er novembre? On a une nouvelle rencontre proche et qui s'ensuit d'une vie commune. Ok. Donc voilà, pour certains d'entre vous, en tout cas, vous risquez probablement ici de rencontrer quelqu'un. Qui peut effectivement être la bonne personne, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait la vie commune derrière. Donc peut-être attention au comportement ou à la notion de comment vous élaborez les choses, hein, d'accord? Ne soyez pas sur plusieurs tableaux et d'être sur plusieurs personnes à la fois. Ou ne pensez pas que la personne en face de vous est malhonnête, d'accord? Ne projetez pas ce que vous avez déjà vécu. Ok, allez, on y va pour les Sagittaires. Allez, Sagittaire, semaine du 26 au 1er novembre. Ok, aspect positif, la 4 d'épée, les aspects négatifs, le cavalier de bâton, les objectifs, la 9, bah comme les scorpions, tiens, 9 de coupe et résultat, roi d'épée, synthèse, Tristan, l'arcane sans nom. J'allais dire la mort, mais non, on ne l'appelle pas la mort, c'est l'arcane sans nom. Alors, les aspects positifs ici, c'est le fait de pouvoir peut-être vous reposer, prendre le temps pour vous de réfléchir, de prendre le temps de reposer votre mental, votre physique également, d'accord? Puisque ici, l'obstacle va pouvoir être. Enfin, il pourrait y avoir très rapidement quelque chose qui va vous mettre dans l'action, d'accord? Et ça va être un petit peu incompatible avec peut-être cette fatigue que vous avez et ce besoin de repos que vous allez vous autoriser. D'accord? Donc attendez-vous à ce que très rapidement il y ait quelque chose qui se renverse. On a quand même deux cartes qui sont très opposées quand même, hein, 4 d'épée et le cavalier de bâton. Et on parle de repos, de pause et là d'action. Et en synthèse, on a quand même l'arcane sans nom qui nous parle de transformation, de quelque chose qui va se transformer. Alors peut-être même sur le plan juridique, il pourrait y avoir un changement. Au niveau de votre objectif ici, c'est de réaliser vos rêves, de réaliser ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. D'accord? C'est ce qui vous anime, c'est ce qui vous habite. Donc en tout cas, vous allez en direction de ça au courant de cette semaine, mais c'est vrai que vous risquez d'être fatigué, mais voilà, prenez le temps de bien réfléchir et de méditer, parce que ça parle de méditation. Le résultat, le roi d'épée, ça va être la détermination à fixer quelque chose et à ne pas revenir dessus, à trancher également, à avoir en tout cas cette analyse par rapport à vos objectifs. D'accord? Et puis en tout cas, vous allez amener ici une transformation au courant de la semaine, un changement. En tout cas, il y a un changement. Ok, une autre personne perturbe la relation. Bon, probablement, mais bon. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a?
La rencontre lors d'une sortie. Alors, on va pas parler de sortie le soir, hein, puisque on est tous en tout cas en restriction au niveau des sorties. Mais voilà, il se peut que voilà que vous fassiez, vous allez peut-être faire une rencontre. D'ailleurs, au moment en tout cas de ce mouvement, je pense. Pas forcément lors d'une sortie, hein, ça peut être voilà, enfin une sortie, ça peut être tout, hein, c'est pas forcément une soirée, mais voilà, ça peut être peu importe la sortie, hein. Voilà les Sagittaires, et on va passer au Capricorne. Je suis à combien de minutes, moi? 45. Allez, Capricorne. Au 1er novembre. Allez, les aspects positifs, 3 de denier, les aspects négatifs, la 4 de bâton, l'objectif, la force, le résultat, la 4 de coupe et la synthèse, la 6 de bâton. Ok, heureusement qu'il y a la 6 de bâton. Alors, les aspects positifs ici, c'est la collaboration, c'est la créativité, c'est tout ce qui va être l'art et la musique. C'est lié aussi aux artisans, aux entreprises, aux petites entreprises, à la reconstruction également. Donc, une semaine où vous allez en tout cas pouvoir utiliser cette énergie-là, vous allez vous sentir très très créative, vous allez peut-être avoir des projets, une collaboration avec quelqu'un, mais ce qui va être un petit peu bloquant, ici ce qui va être l'obstacle, ça va être de se sentir en tout cas dans l'harmonie au courant de cette semaine, de se sentir protégé, de se sentir dans un cocon, voilà. Et ça peut être aussi sur le plan familial, vous pouvez rencontrer des problèmes au niveau peut-être aussi d'un logement, vous pouvez avoir des difficultés ici à trouver un logement. Votre objectif ici, c'est vraiment de, c'est la force. Donc l'objectif ici, ça va être de vous améliorer quelque part, d'être aussi dans la maîtrise de ce que vous faites, de vos projets, de ce que vous allez en tout cas entreprendre. Il y a une notion de, alors je dirais pas de reconnaissance, mais de vouloir peut-être être connu, c'est possible. Ou en tout cas, il y a une notion de vouloir briller, parce que la force représente le lion, et que le lion, en tout cas, c'est un signe qui est très lumineux, qui a envie de briller, qui veut être vu, qui veut être sur un piédestal. Donc il y a vraiment en tout cas cet objectif-là de continuer à tenir le bon bout et d'atteindre son objectif. Par contre, dans le résultat, vous allez vous sentir très insatisfait ou insatisfaite, d'accord? La 4 de coupe, c'est l'ennui, c'est l'insatisfaction, c'est on n'est pas très content en fait du résultat. Et pourtant, dans la synthèse, on vous dit que vous pouvez être fier de vous, d'accord? Il y a quand même cette notion de fierté, d'être dans la reconnaissance publique aussi également. Donc pour certains, il peut y avoir vraiment une reconnaissance publique. Donc voilà, même si pour vous, ce n'est pas à la hauteur de ce que vous espériez, pour les autres, ça le sera. D'accord? Il y a peut-être une notion d'exigence pour vous, les Capricornes, ici. Allez, pour les Capricornes, semaine du 26 au 1er novembre. Répétition des schémas. Libre arbitre en dos de deck, hein. Donc n'oubliez pas que vous avez votre propre libre arbitre et que même s'il y a des situations qui se répètent, vous êtes libre en tout cas de pouvoir changer la donne, d'accord? Donc c'est peut-être ça aussi qui vous angoisse et qui vous bloque, peut-être cette répétition des schémas, que les choses se répètent, d'être peut-être dans un, peut-être de se sous-estimer, de ne pas être satisfait de ce que vous faites. Je pense qu'il va falloir apprendre à vous dire que vous êtes satisfait de votre travail, que vous êtes satisfait de ce que vous accomplissez. Voilà les Capricornes. Allez, on passe au Verseau. Verseau, semaine du 26 au 1er novembre. Allez, aspect positif, reine de denier, aspect négatif, la 8 de bâton, l'objectif, le cavalier de bâton,
Le résultat, l'as d'épée, la synthèse, la 8 d'épée. Ok. Bon, c'est pas étonnant en même temps. Alors, les aspects positifs ici, la reine de deniers, c'est celle en tout cas qui sait s'occuper d'elle-même, qui sait être dans l'indépendance. C'est un personnage en tout cas qui est beaucoup dans le paraître, hein, mais pas forcément, ça ne veut pas dire superficiel, mais qui aime vraiment prendre soin d'elle, qui aime prendre soin de sa famille, qui aime en tout cas aborder une certaine image, un certain respect également. C'est aussi la notion de gestion au niveau financier, d'accord, de pouvoir en tout cas gérer son aspect financier, matériel, voire professionnel. Dans les aspects un petit peu plus bloquants, ici, ce qui va faire obstacle, c'est la 8 de bâton, ça va être les choses rapides, ça va être la précipitation, le fait de faire les choses dans la précipitation. Et ça va pas forcément vous plaire, d'accord? Donc il va falloir prendre des décisions rapidement, se dépêcher. Ça peut être les déplacements également qui peut être un obstacle pour certains d'entre vous. Votre objectif, c'est vraiment en tout cas d'atteindre ici les choses par passion, d'accord? C'est de pouvoir. C'est comme si vous vous sentez bloqué et que l'objectif, c'est vraiment de. Il y a un côté très hyperactif en fait avec le cavalier de bâton. Ici, l'objectif c'est de pouvoir vite faire les choses, mais c'est très paradoxal en fait dans votre jeu parce que il y a cette envie que les choses arrivent rapidement, mais vous êtes bloqué par la précipitation. D'accord? Alors je pense que si ça peut être lié au déplacement. Ça peut être lié au déplacement, ça peut être vraiment la problématique, hein. Mais voilà, l'objectif, c'est de pouvoir en tout cas avancer dans quelque chose qui vous passionne, d'apporter aussi peut-être des nouvelles ou d'aller voir une personne. Le résultat ici, c'est l'as d'épée, c'est vraiment. Alors, ça peut être lié à des signatures, à des papiers, ça peut être lié à la justice également, à l'administratif, mais c'est aussi pouvoir trancher pour soi, de prendre la bonne décision pour soi-même. De ne pas forcément tenir compte des avis des uns et des autres, mais vraiment de tenir compte de son propre mental, de sa propre intelligence et sa propre analyse. D'accord? Donc le résultat ici, c'est que vous allez vraiment trancher sur quelque chose, mettre une enfin, poser une décision en tout cas sur laquelle vous n'allez pas revenir. Mais dans la synthèse, on a la 8 d'épée qui vous parle ici de quelque chose qui vous bloque. Vous vous sentez un petit peu frustré. Ouais, vous vous sentez frustré peut-être du fait de ne pas pouvoir faire. En tout cas, c'est presque illusoire hein, parce que la 8 d'épée, c'est vraiment un blocage mental qu'il n'y a pas vraiment dans la matière, d'accord? Donc vous pouvez, en fait, moi, ce que je ressens ici, c'est que tout se bouscule d'un coup d'un seul et que vous avez un petit peu du mal à vous, à peut-être faire le tri dans votre tête. Du coup, donc c'est dans le résultat, vous allez faire le tri. Mais c'est vrai que sur le coup, sur le moment, ça risque d'être un petit peu compliqué parce qu'il y aura peut-être beaucoup trop de choses à gérer. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? On a dépendance affective. Hein. Ok, et blocage mémoire karmique en d'autres decks. Donc bon, pour certains d'entre vous, là on peut vous parler voilà, de dépendance affective. Peut-être que c'est lié à ça, hein. Peut-être que vous êtes bloqué par rapport à ça, que du coup vous attendez peut-être des nouvelles qui ne viennent pas, parce que la 8 de bâton peut parler de nouvelles. Comme c'est dans les blocages et les aspects négatifs, il n'y a peut-être pas de nouvelles. Et c'est vrai que la reine de deniers représente la femme indépendante. Hein. Donc effectivement, femme ou homme, mais ça nous parle d'indépendance. Donc peut-être que vous vous sentez voilà, dépendant sur le plan affectif par rapport à une personne et que vous n'arrivez peut-être pas à refaire votre vie. C'est possible. Voilà les Verseaux. Allez, on va passer aux Poissons. Allez, c'est parti pour les Poissons pour la semaine du 26 au 1er novembre. Zut, 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 ce serait bien que ça tombe pas trop loin parce que.
Ok, les aspects positifs, cavalier de denier, aspect négatif, l'as de coupe, l'objectif, ok, page de d'épée, le résultat, le cavalier de coupe, et la synthèse, la 10 d'épée. Ok, bon, en même temps, ça ne m'étonne pas du tout. Alors, c'est aussi paradoxal pour vous, les poissons. Alors, dans les aspects positifs, le cavalier de denier nous indique que vous avancez à petits pas, vous savez semer vos petites graines, en tout cas pour qu'elles évoluent sur quelque chose de constructif, de stable, quelque chose d'ancré. Vous avancez, je pense, sur le plan professionnel, sur le plan matériel et financier, voilà, à votre rythme, mais ça vous convient, d'accord? Ce qui est difficile ici, c'est votre état émotionnel, c'est l'obstacle, d'accord? Qui est paradoxal avec l'objectif, je vous le dis de suite. Pourquoi? Parce que l'objectif que vous avez, c'est d'être libre, d'être totalement dans une totale liberté. Alors, soit, effectivement, pour certains, vous recherchez une relation libertine, c'est possible. Vous ne voulez pas, en tout cas, d'engagement, mais vous voulez être voilà, dans votre truc, libre, sans attache. Mais on voit qu'ici, l'obstacle et la difficulté, c'est quand même le côté émotionnel, c'est le côté affectif. Dans le résultat, on a soit quelqu'un qui se déclare, soit c'est vous. Il y a une proposition sentimentale qui est faite, d'accord? Mais la synthèse ici indique que c'est mort, que c'est voilà, c'est foutu quelque part. C'est quelque chose qui risque de vous mettre à terre, qui risque un petit peu de vous blesser, ou vous pouvez blesser quelqu'un également. Hein, c'est pas forcément que vous. C'est vrai que c'est assez complexe votre jeu là, parce que il y a beaucoup de d'incohérence entre ce qui se passe dans la matière et ce qui se passe dans votre côté émotionnel hein, quand même. Hein. Parce qu'on voit quand même qu'il y a cette envie. Hein. Il y a cette envie de partager sa coupe, il y a cette envie de sentiment. Mais l'objectif, c'est d'être libre et d'être seul. Donc c'est un peu bizarre quand même. Hein. Alors la liberté, oui, je comprends, je conçois, mais on est sur le page. Hein. Donc il y a quand même un côté... je veux avoir aucun compte à rendre. Voilà, il y a une notion de je ne veux pas rendre de compte, mais dans ce cas-là, donc si on ne veut pas rendre de compte, on ne s'engage pas dans une relation. D'accord? Puisque quand on s'engage ou qu'on est dans une relation, on a forcément des comptes à rendre. C'est comme ça. C'est pour le respect de la personne en face. Et inversement, en tout cas, ça peut être interchangeable. Voilà, en tout cas, bon, le résultat ici vous indique quand même une déclaration, hein, une déclaration d'amour. Mais la synthèse, voilà, il y a quelque chose qui met à terre quand même. Donc c'est pas forcément, ça ne veut pas dire que quelqu'un, ça peut être sur le plan affectif cette décision, enfin cette parole peut être sur le plan affectif, mais pas forcément dans le positif. Elle peut être sur, voilà, une négation, donc sur le fait de, on arrête la relation ou ce genre de truc, d'accord? Mais on voit que l'obstacle, c'est vraiment de vous ouvrir hein, ici sur le plan émotionnel, hein, de dire les choses, hein. On nous parle de surprise. Allez, pour les poissons. Une autre personne perturbe la relation et on a rupture. Voilà, bah c'est un petit peu en fait, voilà, c'est, je pense qu'il n'y a pas à expliquer plus, hein. De toute façon, on nous parle ici d'une rupture, de probable rupture qui arrive. Ou déjà quelqu'un avec qui vous êtes séparé, que vous avez du mal à oublier. Et quelque chose, en tout cas, va venir perturber un petit peu tout ça, quoi. En tout cas, on vous parle ici de quelque chose qui va perturber votre relation ou votre vie sentimentale. Voilà les poissons. Bah, écoutez, je vous embrasse tous, si vous avez tout regardé, en tout cas. Même les poissons, hein, je vous embrasse aussi. C'était quelque chose de très rapide, mais parce que voilà, il faut aussi que ce soit rapide pour tous les signes. Mais il y aura, voilà... les tirages mensuels qui seront mis en ligne pour le mois de novembre, et puis peut-être d'autres choses suivant le temps que j'ai devant moi. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.